On cherche la limite de un égale n au carré moins 4 racines de n. La première chose à faire quand on cherche une limite de suite, c'est de décomposer cette suite en suite simple dont on connaît la limite. Ici, un, c'est la différence de n2 et de 4 racines de n qui tendent toutes les deux vers plus l'infini. Mince, on ne peut pas réassembler directement puisqu'en fait on a une forme indéterminée l'infini moins l'infini. Pour lever cette indétermination, il suffit de factoriser ce qu'on appelle le terme dominant. Ici, c'est n2 qui a le plus haut degré, donc c'est n2 le terme dominant. Et on a donc u de n égale n2 facteur de 1 moins 4 racines de n sur n2. Je simplifie par racine de n, ce qui me donne u de n égale n2 facteur de 1 moins 4 sur n racine de n. L'indétermination est levée. On applique la méthode qu'on connaît. D'abord, je décompose en suite simple dont je connais les limites, puis je réassemble et je conclue. Ici, on connaît déjà la limite de n2, donc on va s'intéresser à la limite de la parenthèse. N et racine de n tendent vers plus l'infini, donc leur produit tend vers plus l'infini. Leur inverse tend vers 0. Quand on multiplie par 4, ça ne change rien. Et ainsi, la parenthèse tend vers 1 moins quelque chose qui tend vers 0, 1. Il ne reste plus qu'à réassembler et à conclure. N2 tend vers plus l'infini, la parenthèse tend vers 1, donc leur produit tend vers plus l'infini, c'est-à-dire un tend vers plus l'infini. Quand on est confronté à une forme indéterminée, l'infini moins l'infini, la méthode pour lever l'indétermination consiste à factoriser le terme dominant, souvent le terme qui a le plus haut degré. Ensuite, on redécompose en suite simple dont on connaît les limites, on réassemble et on conclut.